Bonjour les amis jardiniers, aujourd'hui je vais planter des melons que j'avais semés dans une vidéo précédente. Vous voyez, ils sont bien jolis. En général, deux graines, deux plants. Donc, comment je pratique? Alors, hier, j'ai détruit l'engrais vert, la facénie et la moutarde. Et pour marquer derrière, la terre est bien meuble. Donc, je viens mettre une petite poignée de fumier déshydraté, comme d'habitude. Mélange un peu avec la terre. Comme c'est du double, pour ne pas gaspiller, je vais les séparer. Voilà. Un peu de terre autour, un petit peu enfoncé. Bien que les racines soient en contact avec la terre. J'ai toujours mes bouteilles. Je les installe pendant 3-4 jours. Ça les protège des limaces. Et ça éteint bien au chaud. Donc aujourd'hui, on est le 5 juin. Il est 16h. Il ne fait que 17-18 degrés. C'est pas encore très chaud pour la saison. Alors, après, au deuxième. J'ai un petit peu oublié d'arroser, donc par le goulot, un petit peu d'eau, et voilà, ça suffit. On procède au deuxième. Un petit trou, et les racines de facélie. Vu la longueur, ça décompacte bien le sol. Voilà. Impeccable. Et si j'oublie pas l'eau. Et ma petite bouteille. Voilà. On peut voir que la terre n'est pas dure. Simple four suffit à décompacter le sol. Vous voyez, pas grand chose. La facélie est quelques années de paillage. On travaille tout seul. Voilà. Pas être trop long, j'ai fait un peu d'avance, je vais voir le résultat tout à l'heure. Je vais chercher des bouteilles, j'en ai plus. Avec le même principe, les courgettes la semaine dernière sont super bien sorties. Voilà le résultat. 14 pieds de melon plantés dans cette parcelle. Situé en plein midi, protégé par la côte derrière des vents du nord. Et comme vous voyez, c'est bien boisé partout. Dans cette saison, c'est bien vert. Celui qui m'a posé la question s'il y avait du vent dans cette région, la réponse est toute faite. Merci encore à tous mes abonnés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous
et envoyez-moi quelques pouces j'aime. À plus tard, les amis.